on va certainement essayer de lever le ballon, trouver le point de pénalty. La très bonne sortie d'Ousmane. Bah, attention parce qu'il a relâché le ballon. Il était bien placé. Delpech qui va frapper, qui va ouvrir le score suite à cette... le ballon relâché hein, d'Ousmane Ba, c'était surprenant parce qu'il me semblait qu'il était plutôt bien sorti. Et voilà l'ouverture de score pour sa première titularisation. Ouais, oui, là on a laissé aussi de l'espace pour Burner. Et Patrick Burner qui a réussi à maîtriser ce ballon. Il est passé devant Ouattara. Burner la frappe pied gauche directement dans les bras. Et c'est Martin Expérience qui a pris le côté gauche. Et la tête d'Abdeljelil. Et l'arrêt extraordinaire du gardien Nîmois sur cette tête décroisée. Burner maintenant, lui aussi, va passer tout tranquillement. Le centre, oh, il s'est trompé Delpech, mais Piccolo a pu récupérer. Et la défense Scholtesque est montée. Attention, la frappe de Piccolo et l'arrêt de Bas. Lui aussi, cet arrêt, il est splendide parce qu'il allait dans la lucarne. Gamero avec Tom Renault à nouveau. Tom Renault qui est contré et s'en restera là pour ce premier acte sur le score de 1-0 pour Nîmes. Un but inscrit par Léon Delpech à la 16e minute. Tout comme l'international haïtien Martin Expérience qui lui est bien sur son côté gauche. Et Bafunta qui est venu à la récupération, le très bon 1-2 pour éventuellement le deuxième but, c'est fait. Le deuxième but inscrit par le Nîmes Olympique sur ce 1-2. Il me semble bien que les joueurs scholtais sont restés complètement au vestiaire sur cette occasion et sur cette occasion qui s'est transformée en but. Kansi Dibé là sur son côté gauche qui a manqué sa passe. Robinan qui a récupéré le ballon. Pour Abdeljelil qui se bat autant que faire se peut pour récupérer le ballon. La frappe d'Abdeljelil qui va directement dans le petit filet extérieur de Mathis Piccolo. Non, il n'est pas attaqué. Regarde derrière. On va jouer sur le côté gauche avec Jonathan Mexique. Le centre pied gauche de Jonathan Mexique. Oui, la barre transversale trouvée par Mbina. Ah, c'est pas son soir Mbina. Allez, ce corner. Oh, attention, c'est le détournement, c'est trappé sur la barre. Et la reprise de volée d'Abdeljelil. Contré par Tom Renault. Monsieur Kubler qui regarde sa montre et qui les donne. Ces trois coups de sifflet. La délivrance pour les Nîmois qui s'impose ici au stade Omnisport de Cholet. 2-0.